Oh, salut Goku, comment ça va? Ah, Vegeta! Oui, ça va nickel! Dis-moi, tu t'es bien adapté à l'Europe? Ah oui, j'adore! C'est magnifique! Des abeilles à gogo et pas ce gros frelon de japonais! Ah oui, quel gros con celui-là! Hé, dis-moi! Tu as mis combien de temps pour changer de nom? C'est-à-dire? Ben oui! Tu viens d'Asie, comme moi! Et aujourd'hui, on t'appelle le frelon européen! Oui, c'est vrai, je viens d'Asie, comme tous les frelons. Mais franchement, je sais pas depuis quand on m'appelle le frelon européen. Ah, c'est dommage! J'aimerais bien changer de nom. Peut-être nous détesterait moins. Salut Dédé, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Et oui, le frelon européen vient d'Asie aussi. Allez, on en parle dans cette vidéo. Alors, pourquoi le frelon européen est moins détesté que l'asiatique? Pourquoi on en a besoin pour notre environnement et pas l'asiatique? On va faire un point de différence entre les deux frelons. Alors, premier point, comme les gens se trompent souvent, il faut savoir que le frelon européen mesure en moyenne 4 cm et le frelon asiatique 3 cm. Donc on dirait que là c'est un mauvais point pour le frelon européen parce qu'il est plus gros et impressionnant. Quel frelon est le plus agressif? Le frelon le plus agressif est le frelon asiatique parce qu'il est beaucoup plus sensible aux vibrations que le frelon européen. Où font-ils les nids? Alors, le frelon européen aura tendance à cacher ses nids soit dans un tronc d'arbre, donc vous ne verrez jamais une grosse boule dans un arbre avec du frelon européen, ça c'est de l'asiatique. Lui, il va se mettre dans le tronc d'arbre. Après, il peut se cacher dans des cheminées, dans des vieux greniers, dans des cabanes à jardin. Voilà, plein de petits coins, mais toujours cachés. Que le frelon asiatique, lui, il se met partout. Il peut se mettre dans une tondeuse, dans un barbecue, dans une voiture, sous une plaque d'égout. Voilà, il y a dans les arbres, dans les troncs. Dans les troncs d'arbres, j'en ai jamais vu, mais ça, je pense qu'ils peuvent se mettre dans une cavité, donc c'est possible. Combien de frelons peut contenir dans un nid? Alors, chez le frelon européen, pour les plus gros nids, on va dire que ça peut aller jusqu'à 4 000 frelons. Et pour le frelon asiatique, ben, ça peut aller jusqu'à 15 000 à peu près. Donc il y a quand même une sacrée différence entre l'européen et l'asiatique. Donc quand vous tombez dessus, en plus qu'il est plus agressif, ils sont beaucoup plus nombreux à vous attaquer. Une différence aussi, c'est que le frelon européen est beaucoup plus un frelon de campagne. Il aime plutôt la campagne. Il va chercher, comme on a dit, les troncs d'arbres, les vieux greniers, les cheminées. Donc on retrouve ça plus en campagne. Et comme il mange beaucoup plus d'insectes, il trouvera beaucoup plus de nourriture à la campagne qu'en ville. Le frelon asiatique, lui, il mange de tout. Donc il peut aller en ville ou à la campagne. Il s'en fout complètement. À quel moment le frelon européen sort de l'hibernation et à quel moment il rentre en hibernation. Donc le frelon européen, lui, il va sortir de l'hibernation vers le mois d'avril, mai, selon le printemps, hein, s'il est bon ou pas, et il va se mettre en hibernation vers le mois de novembre, voilà. Voire octobre, mais novembre maximum. Que le frelon asiatique, lui, c'est un peu plus tôt et un peu plus tard. Donc pour le frelon asiatique, on peut le trouver déjà en février, c'est déjà arrivé, et il va hiberner vers janvier, donc il fait presque une année complète. Conclusion, hein. La conclusion, c'est que le frelon asiatique, on le retrouve beaucoup plus parce qu'ils sont déjà beaucoup plus nombreux dans les nids, donc ils vont plus vite se reproduire. Il est en campagne ou en ville, il est beaucoup plus agressif, il se met à des endroits à hauteur d'homme, dans des barbecues plus proches de l'homme, hein, en fait, hein. En fait, il est plus proche de l'homme, donc il est beaucoup plus dangereux et voilà pourquoi il est moins aimé. Et en plus, c'est une espèce importée que le frelon européen, même s'il vient d'Asie, il n'est pas importé. Il est venu tout seul, avec ses valises et ses petites ailes. On en parle? Allez, à de suite. Donc on a dit que le frelon européen était important pour l'écosystème. On a dit qu'il était venu tout seul d'Asie et que le frelon asiatique il a été importé par l'homme en France en 2004. Donc en fait, le frelon européen, lui, il est arrivé, on va dire, naturellement. Ça veut dire qu'il est parti d'Asie, comme je disais tout à l'heure, avec ses valises. Il est allé sur le pays juste à côté, où il a retrouvé la même nourriture, ou une nourriture qui ressemble à celle qu'il mangeait dans son pays d'origine. Et petit à petit, il a avancé dans les pays. Il a eu d'autres nourritures, parce qu'ils n'ont pas les mêmes insectes et les mêmes nourritures qu'il peut manger. Il s'est adapté petit à petit. Et du coup, il a moins perturbé la nature. Parce que la nature, elle sait qu'il va y avoir des nouveaux insectes, qu'il y a des insectes qui vont disparaître, donc elle s'adapte, elle sait qu'il va y avoir un changement, donc elle va s'adapter. Et quand c'est doucement comme ça, c'est pas très grave, en fait. Mais quand c'est importé comme le frelon asiatique, ou le frelon asiatique est arrivé en France d'un coup,
Du coup, le frelon asiatique, lui, d'un coup, il faut qu'il cherche de la nourriture. Il n'a pas la même nourriture qu'un Asie. Donc, il va chercher des abeilles. Il a vu que les abeilles, ils n'étaient pas du tout agressifs. Parce qu'en Asie, les abeilles savent se défendre sur le frelon. Puisque là-bas, il y a une quarantaine de sortes de frelons. Donc, les abeilles sont habituées. La nature a habitué aux abeilles à se défendre. Voilà. Donc, en France et en Europe, non. On a des abeilles plutôt douces, gentilles. Du coup, ils n'ont pas cette habitude. Donc le frelon asiatique a fait un carnage. Le frelon européen, lui, on sait qu'avec ses deux ailes, il ne peut pas se stabiliser sur place, donc il ne peut pas s'attaquer aux ruches. Mais il tue des abeilles, mais il va les attaquer sur des fleurs, par exemple. Donc il stresse moins les ruches et il y a moins de dégâts. Alors le frelon asiatique, en plus d'être importé, donc du coup il fait du mal à l'écosystème français et européen, nous les hommes, on ne l'aide pas en plus. Parce que bon, bien sûr, on n'a pas fait exprès de l'importer, ça c'est sûr. Je vais vous donner un exemple. Depuis qu'on a le frelon asiatique, qu'est-ce qu'on fait? On chasse plus le frelon. Donc le frelon européen rentre dans le sac. On voit des frelons, on appelle une société. Donc on tue beaucoup plus le frelon européen. Donc il aura tendance à devenir un peu plus agressif parce qu'il se sent menacé par l'homme. On fait aussi, depuis qu'on a le frelon asiatique arrivé, on pose des pièges à frelons pour capturer les frelons, puisque ça attaque les abeilles, les gens ont peur, donc on crée des pièges. Mais dans ces pièges, on n'attrape pas que des frelons. Même si aujourd'hui, il y a des pièges qui vont trier un petit peu, mais on va attraper quand même des moucherons et d'autres insectes, qui est important pour d'autres animaux ou d'autres insectes. Du coup, le gros piégeage qu'on fait, perturbe l'écosystème et la nature, elle n'arrive pas à suivre, puisqu'elle est perturbée par le frelon asiatique qui a été importé par l'homme. Et en plus, nous, pour essayer de tuer ce frelon, on fait autre chose que la nature a du mal. On tue d'autres insectes, en fait. Donc, en fait, de compte, il faut créer des pièges, bien sûr, pour capturer les rennes quand ils sortent de l'hibernation. Mais il faut le faire au début, février, mars, avril, et après, on arrête. À partir du moment où il y a le frelon européen qui sort et d'autres insectes qui vont sortir de l'hibernation ou du froid, il faut arrêter de faire de la capture. Ça, c'est hyper important. Et après, nous, notre corps de métier, les chasseurs de frelons, on n'est pas là pour éliminer tous les frelons et faire disparaître le frelon asiatique de la France ou de l'Europe. C'est impossible. Il s'est habitué, il se développe, on est de plus en plus de chasseurs et on voit que le frelon, il avance. On le retrouve au Portugal, on le retrouve en Espagne, en Italie, voilà. Donc il avance. Donc nous, ce qu'on peut faire, c'est juste réguler. Donc on va réguler le frelon, on va tuer un maximum de nids pour éviter que des futures reines naissent et hibernent pour la saison d'après. Donc j'ai fait cette petite vidéo parce que j'ai souvent ces genres de questions en commentaire, ou que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Voilà, donc avant d'importer des insectes, mais là on l'a fait par accident, mais des fois on nous dit aussi dans les commentaires, on pourrait importer un nuisible ou un insecte qui pourrait tuer le frelon asiatique. Bien sûr, il y a le frelon japonais, mais si on importe le frelon japonais, on va avoir d'autres problèmes. Vous voyez, et on parle aussi d'un petit ver, qui monterait dans le nid du frelon et qui irait tuer les larves. Donc ça peut être une solution. Mais le problème, ce ver, qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il ne fait pas que manger des larves de frelon. Donc avant d'importer des insectes pour tuer d'autres insectes, il faut bien calculer tout ça. On a l'exemple, il y a une vingtaine, une trentaine d'années en arrière, on a importé des coccinelles asiatiques pour tuer les pucerons. Parce que dans le nord de la France et en Belgique, ils avaient beaucoup de problèmes de pucerons et nos coccinelles n'arrivaient pas à tout tuer, en fait, à faire son travail. Donc on a importé des coccinelles asiatiques. Sauf que les coccinelles asiatiques, ils sont habitués et maintenant il y en a partout. Alors, et ça perturbe un peu l'écosystème. Alors ça ne perturbe pas nous l'homme, parce que la coccinelle est gentille, mais ça perturbe l'écosystème. Si vous demandez aux spécialistes, ils vont vous dire que les coccinelles asiatiques, c'est chiant. Voilà. Donc avant d'importer des nuisibles ou quoi, il faut bien réfléchir, bien analyser et pas refaire les mêmes erreurs qu'on a fait dans le passé. Donc on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Laissez-moi un commentaire, donnez-moi votre avis, c'est toujours intéressant. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt les Dédés. Quoi? T'es pas abonné à Dédé Frelon? Alors dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve.